Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Citoyen Ariel Henry, c'est nouveau premier ministre pays. Président Jovenel Moïse a nommé dans un arrêté qui est publié lundi 5 juillet dans le journal officiel Le Moniteur. Dans un tweet, chef l'État fait souligner Dr. Ariel Pral pour former un gouvernement côté toute force pays a dû représenter dans l'idée pour résoudre le problème insécurité et puis accompagner le conseil électoral provisoire dans la réalisation élection générale et référendum dans le pays. Yon boun sab kap sorti en Afrique kap gen pou rive sou pays d'Haïti mercredi 7 juillet kap vini d'après prévisionniste Waldo Kola, responsable nan unité hydrométéorologique lan, mande population continue appliquer mezi prévention yo pendant passage boun sab sa. Yon lot bo li di pou kounya tempête Elsa pa représente aucun danger pou pays encore. Pendant le souhaité population, toujours été vigilant dans la période cyclonique. Plus de détails dans le micro Mildred Milias avec Michel Joseph. Dans la zone nord, dans le bassin Panouan, nous avons une large zone de répression qui est localisée au niveau Atlantique Nord. Là, et arrivée progressive de poussière sable qui sort directement d'Afrique, qui est arrivée progressivement dans la région Panouan. Situation ça occasionné un régime de temps stable et brumeux et venté sur partie orientale, partie est région, particulièrement sur Haïti. Pour le moment, c'est nous commençons légèrement, on a remarqué les plus denses à partir de lundi. Mais il n'y a pas de problème, sauf que le pour l'affecter, visibilité. Visibilité qui vient pour le réduire un peu. Bon, à partir de jeudi à demain, il a pu se réduire dès mercredi matin. Et de l'autre côté, au niveau partie orientale là, à l'ouest, nous gagnons manifestation tempête tropicale Elsa, qui est localisée normalement à 225 km au sud-sud-ouest de la Havane, capitale Cuba, côté que cette tempête là a supposé traverser Cuba au cours de la journée jeudi. N'a pas noté que tempête Elsa, dans le moment, il n'y a pas représenté aucune menace au pays d'Haïti. La dirigée vers Cuba, il n'y a pas aucune menace directe sur le pays d'Haïti. Pour le pays d'Haïti, il y a un régime du temps qui est besoin d'inventer et brûler. Et l'activité de la pluie a toujours été à la baisse sur le pays pendant jeudi et deux prochains jours à venir. En gros, c'est ça qui gagne dans la région aujourd'hui. Conseil que nous avons à la population, surtout le monde qui fait allergie, c'est pour éviter de se poser dans la rue, c'est pour porter lunettes, porter masques, et puis pas de se poser à l'air libre. Mais c'est un phénomène qui a vraiment des problèmes à la population. Arriver, boum, ça, ça. Pour le moment, pas de l'autre système dans le bassin Panouan, sauf quelques ondes tropicales qui ont défilé encore, qui appellent ceci d'Afrique, qui vient pour arriver sous nous, dans le jour de venir, avec de faibles possibilités pour évoluer. Dans le moment-là, il n'y a aucun système cyclonique à part de Elsa qui est dans la région. Le message que nous avons, c'est que la population a toujours côté de bulletin météo. Le bulletin météo est très important au jour le jour. C'est ça qui a informé sur le comportement que nous avons pendant période saison cyclonique ça pour l'année 2021. N'a fait encore le ministère de Santé publique avec population informée, il y a 108 nouveaux cas COVID-19 qui confirmés avec 4 mounes en plus qui mourent en bas maladie en date 30 juin 2021 en pays. C'est à Cuba, il y a un total 18 952 cas confirmés, 3106 mounes qui passaient l'hôpital, 451 mounes mourent avec 12 901 mounes qui traitaient. MSCP dit salut compatriotes sa qui parti quitter nous pendant le souhaité force à courage avec famille amis défunt yo. De l'autre côté, ministère de santé publique avec population
continuer à demander tout le monde respecter les principes d'hygiène. Tant que mettez caché depuis pour aller rencontrer l'autre monde, toujours laver les mains, toujours songer by tout le monde trois pas distance. Si vous remarquez une signe ça yo tous fièvre, pas prendre sang au soir goût, éviter prendre contact avec l'autre monde et puis reler dans 2020 pour qu'on ait ça pour faire. Fondation Conscience Haïtienne organise une semaine de formation pour plusieurs monde maigaté sous pandémie coronavirus. Président Fondation, Dr. Benjamin Ronald, fait connaître l'important pour sensibiliser la population en cas de prévention pour ne pas attraper la pandémie coronavirus. Il y a extrait dans le micro Saint-Kwapaki avec Rémi Godjit. Nous dans la communauté là, dans maigaté, c'est une communauté qui est un modèle pour nous, nous allons étoyer, mais je dis à faire une prévention, information et traitement de sujet de coronavirus là avec nous, avec une grande infirmière dans la communauté ça. Son communauté sans lui-même santé à par là. Dans la communauté ça va comme monde qui va malade de maladie ça. Nous mettons vérité à dehors. Va comme monde dans maï gâté qui va malade, qui va infecté. Parce que nous mettons vérité à qui ça. Vision de mille ans. Selon témoignage, mon frère Sayo, Diego, c'était un journaliste discipliné, cohérent et respectable. Il fait qu'on est assassinat d'un journaliste qui était en gros vide dans le secteur presse-là. Bon, il cite, mon frère Sayo souhaitait autorité justice, pas traîner un pied sur le dossier assassinat et ça en suivre. Diego, c'était collaborateur, moi. Donc, nous rentrons dans Vision 2000, dans la même époque. Nous rentrons en 2013. Diego rentre tout en 2013. Ça veut dire que nous avons la même quantité de temps dans Vision 2000. Et pour collaboration, nous, c'était un bagage qui était allé au-delà. Parce que nous venons créer une amitié, Zamita, nous venons quitter l'air, nous venons vivre tant que frère avec frère. Et pour me dire bien, c'est toute équipe Salle Nouvelle Vision 2000 là, qui a fait un faisceau pour nous être capables de mettre ensemble pour nous travailler performance. Pratiquement parce que chaque monde a gardé mettre ensemble pour nous coller force nous ensemble pour nous bailler ça que le maximum que possible nous-mêmes nous bailler en tant que jeunes. Après une expérience Diego dans la radio, dans Salle Nouvelle Radio, Diego est venu monter dans la télévision, il vient commencer à collaborer pendant que Motler était là, tu as dirigé la Salle Nouvelle là. Tombé le malade, Motler vient mourir, eh bien Diego lui-même est venu coordonnateur et Salle Nouvelle là. Eh bien, de là étant, nous avons essayé de collaborer assez bien. Là, nous venons d'avoir amitié à déjà, frère. Et c'est comme si c'était frère avec cher dans Salle Nouvelle et télévision. Nous sommes très unis nous pour nous faire un travail et qui est très bon. Diego Charles, c'est un jeune qui est très compétent. Et la presse là a perdu vraiment une plume, une bonne plume. Parce que Diego Charles, lui écrit vraiment bien. Et c'est ça qui était poussé lui-même, puisque il était déjà dans un média en ligne déjà, que le tabac coup de main, et bien c'est après le poussé que lui-même écrit pour Mediapart, qui c'est la République, et que plusieurs articles étaient déjà pondus dans la République, et bien articles ça y a vraiment été répondu à normes journalistiques, il a été répondu à la construction d'un article de presse, et vraiment, il n'y a pas de faute. Donc, Diego Charles était vraiment battre les missions, ça décrit bien. Il était battre les missions, ça qui s'est cherché. Et c'est ça, effectivement, moi, quoi. C'est quête des formations, ça. C'est quête du savoir. C'est quête de découvrir la vérité. Mais c'est la quête aussi d'être utile, de servir à son pays, qui peut faire, qui te fait engager dans l'agir association haïtienne de l'investigation, pour que lui-même soit capable de contribuer dans la question enquête, dans la question investigation par Boïsite, puisque lui-même était reconnaît tout que Jean journalistique ça lui manque exploré en Haïti et qu'il y a nécessité pour que il y ait des enquêtes qui menaient par Boïsite. Diego Charles, c'est pas un monde que nous avons des rapports sérieux ensemble avec, mais c'est un monde
C'est un monde qui est très jovial. À chaque fois que je me croise avec, surtout dans un dossier, il n'y a jamais pas un sourire aux lèvres, il n'y a jamais pas parler avec le monde, il n'y a jamais pas de blague, il n'y a jamais pas de... comme on a dit ça là, et faire des analyses, non seulement sur des sujets d'actualité, mais tout sur sujets qui débattent dans dossiers que l'on fait, dans dossiers que l'on fait avec des journalistes pareils, ou du moins poser des questions pertinentes avec intervenants et tout ça. Et c'est un monde non capable de dire qu'il te prend métier journaliste à cœur. J'étais très humble. Ouais, un salon pour moi-même dans le comportement de sagesse. Li. Même avec Diego, nous était vraiment bien. Pour moi-même, je ne peux pas oublier Diego. Et je me sentis vraiment, je dis en pour moi, en pile angoisse, pas vrai, en pile tristesse, en pile douleur, parce que je me fais un jour. Et il m'a crié, même l'école pour me dire, allez, je ne peux pas aller dans la journée, ça allait me prendre nouvelle, Diego assassiné. Donc, je pense que quand... La direction générale de la police nationale a informé, il y a une enquête qui l'ouvre. Sous Zak, assassinat qui fait sous 15 moun dans Delma 32 à Knakriswa dans la nuit mardi 29 juin 2021. Dans notre institution police la mette dehors, vendredi 2 juillet, nous demandons aux populations collaborer avec l'enquête. Pendant nous demandons tout le monde de suspendre partager l'information qui a empêché l'enquête d'arriver dans Boutli. Direction générale PNH a profité en l'autre fois présenter sympathie by tout le monde qui gagne un proche aux victimes dans Zak, assassinat ça. Pouvoir exécutif l'a publié dans le journal officiel Le Moniteur, décret électoral là, selon ce qui dit dans le numéro spécial ça, élection présidentielle, législative et référendum constitutionnel là, a réalisé 26 septembre 2021, date qui kembe pour deuxième tour élection, c'est 21 novembre 2021, pour ça qui a un rapport avec l'élection locale, il y a fait 16 janvier 2022, nouveau décret électoral ça prévoit candidat famille pape gain pour payer les yo pral inscrit. Et puis exécutif l'a publié dans le journal Moniteur a été qui bail des charges pour tout ancien premier ministre ou soit ministre qui était servi pays à sorti 1991 pour arriver à 2017. Décision ça concerné PM avec un ministre qui gain rapport audit la Cour des comptes à contentieux administratif en faveur. Et puis, le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, il prend ensemble mes yeux pour faciliter l'examen officiel réalisé pour l'année 2021. Chef cabinet ministre éducation, Jackson Pléto, dit examen qu'a préparé prend en considération toutes difficultés élèves rencontrées pendant l'année académique. Là. Jackson Pléto demande tout acteur dans la vie nationale à respecter les droits de Simonio gagné. Pour composer, pour capable d'entrer dans l'université pour venir servir le pays. Jackson Pléto, dans le micro, Jocelyn Pierre et Michel Joseph en suivre. L'on apprend élève qui est en classe d'examen. On a parlé de l'élève qui est en 9e année fondamentale et baccalauréat. Alors, le ministère allait prendre des mesures pour accompagner l'élève. Première mesure, évidemment, le ministère prend pour permettre aux élèves de composer dans de meilleures conditions. Les mettez à disposition, tant que ça a existé depuis l'année dernière, une plateforme numérique. Mais année ça, nous alimenter la plateforme non, encore en des outils à la fois didactiques et pédagogiques qui permettent aux candidats de mieux préparer le son. Deuxième mesure que nous prenons, nous faisons une évaluation à travers l'échelle pays pour nous constater qui compétences qui installées dans la salle de classe, qui notions qui ouais. Et maintenant, nous mettons accent sur nos sens à eau pour monter des textes d'examen. Alors, c'est des textes de niveau moyen qui n'ont pas aucun degré de difficulté là-dedans, qui permettent aux élèves de composer, ou élèves qui étaient passés à l'année scolaire là, même dans des conditions difficiles, mais texte moyen ça eux, là, pour réaliser. D'un autre côté, que ce soit sous site ministère en imprimé, nous gagnons des notions. Nous estimons que c'est des notions essentielles qui font partie du texte. Nous mettons notions à disposition de élèves, professeurs et parents qui vous permettent au moins pendant le dernier moment ça, qu'on connaît sous qui ça, examen va dérouler et qui notions pour préparer pour éviter des dispersions. Et là, tous les outils sont disponibles en imprimé au niveau du ministère et sur le site NATO. Deuxième bagage, on a profité de l'espace ça
pour nous voyer un appel, un vibrant message, pour nous dire des mondes jodiens qui t'a une tendance paralyser processus là. Ou année scolaire, pour un parent, pour un élève, les un coût très élevé. Que ce soit en énergie, que ce soit en argent, que ce soit en temps, ben ça n'a pas qu'à mesurer. Et là, nous demandons tout le monde par rapport, quelle que soit tendance, facilité candidat pour aller dans le siège côté à proposer. Premier bagage qu'on a demandé pour faire, c'est permettre de déplacer d'une zone à l'autre pour arriver dans le centre. Et pour participer dans l'examen dans de meilleures conditions. Et participation, ça a, évaluation, ça permet de sortir avec un certificat qui permet de poursuivre l'étude pour apprendre l'autre bagaille, pour servir tête, servir famille et servir pays. Et puis, la fois qu'on est ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle mettait disponible une série de cours sur Internet sur un site qui est pratique pour élèves de l'école. Travail ça a eu pour objectif accompagner et puis renforcer les capacités élèves qui parlent dans l'examen officiel. Directeur unité technologie éducative dans le ministère, Rafson Pierre, encourager candidats à monter sur le site pratique là, pour capable préparer l'examen officiel. N'attendez-le dans le micro Jocelyn Pierre et Micho Joseph. Pratique, c'est 11 outils qui existaient depuis l'année dernière. Donc, on connaît que nous tenons pandémie coronavirus, donc ministère là, donc en réponse à toutes les difficultés ça, donc tu mettez plateforme de ressources et d'apprentissage ça en ligne, donc qui permettent pour accompagner élèves, parents et enseignants donc dans le processus enseignement apprentissage, donc pour éviter que gain rupture, cassure dans apprentissage là. Alors année ça nous produit en pile contenu, donc nous à environ 550 contenus, donc de plus, qui en vidéo et audio. Donc ça nous a carré audiovisuel. Par exemple, et pour classe intermédiaire, donc qui n'est pas classe d'examen, donc nous avons environ 441 contenus qui sont disponibles donc, pour le premier cycle, donc première, deuxième et troisième année, en mathématiques et en lecture. Ce qui est important dans le contenu, c'est qu'il est totalement en créole. Donc c'est une exigence que nous avons fait. Donc ça veut dire en mathématiques et en lecture, donc contenu ça en créole. Alors, pour classe d'examen, donc 9e année fondamentale et NS4, donc pratiquement, c'est toujours même adresse là. Donc, nous existons sur un site internet qui c'est www.pratique.menfp.gouv.ht. Donc, ça c'est plateforme là. Nous, tout existe sur réseaux sociaux. Donc, pratique. MENFP TV, donc ça c'est chaîne YouTube là, donc il y a tout contenu disponible, que ce soit en vidéo ou en audio. Et puis, nous existons tout sous Santa Carrelé, l'autre type de réseau social de type Twitter, donc côté que nous voyons des liens qui redirectionnent donc vers la plateforme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait les documents sont disponibles en PDF et en Word. Donc une fois que élève là, ou bien parent, ou bien professeur, donc intéressé à genre de contenu ça, les télécharger, que ce soit vidéo ou bien que ce soit contenu en PDF là, donc les mettez sous appareil, téléphone, tablette, ordinateur, et puis donc les libres. Donc là, il n'y a pas besoin d'internet. Donc nous conseillons, au lieu que vous gardez vidéo directement, ou bien contenu que nous postez directement sous plateforme là, donc techniquement, vaut mieux que vous téléchargez, donc là, prend moins de data et que vous pouvez utiliser par la suite. Donc ça c'est un petit conseil technique. Et autre chose, c'est que dans le document que nous mettons, document notion essentielle, donc d'un côté, soit aller sur le site internet, par exemple ministère là, donc menfp.gouv.ht, ça veut dire site principal là, document ou là tout. Donc ça veut dire pour raison pour l'autre, ou pas qu'à accéder soit à pratique qui c'est plateforme là, ou bien pas qu'à accéder à site ministère là, site principal là. Donc ou bien quatre choix, soit aller sous site ministère là, site principal là, menfp.gouv.ht, sous site pratique là, pratique.menfp.gouv.ht, sous page YouTube là, pratique menfp YouTube, ou sous n'importe réseau social, donc il y a pratique de type Twitter, Instagram, donc on a besoin de contenu. Il y a un téléchargement gratuit, ou pas besoin de code, ou pas besoin d'email, donc on rentre sous lit, on prend contenu et puis on va le préparer examen, soit 9e année fondamentale ou bien NS4.
Et puis, ils ont arrêté qui est publié lundi 5 juillet 2021. En fait, qu'on est l'ancien président de la Cour de cassation et Conseil supérieur pouvoir judiciaire, maître René Sylvestre, 23 juin 2021, c'est en groupe pour République là. D'après arrêté A, pour un lien hommage, m'a 17 mercredi, jeudi 9 juillet, consacré comme journée des nationales. Pour trois journées d'Esaïo, discothèque avec l'autre établissement, loisio a été fermé et puis station radio invité pour passer musique avec émission qui est adaptée dans ces circonstances. Et en termes, maître René Sylvestre, président Cour Cassation, a chanté jeudi 8 juillet 2021 dans l'église épiscopale Ville-Saint-Marc côté l'été fête. Non, mercredi 7 juillet, a bien une cérémonie hommage qu'a faite dans l'école magistratière qui sous route frais dans mémoire président Koua qui mourit en bas maladie COVID-19 semaine passée. Responsable Sainte Muse Haïtio organisé vendredi 2 juillet. Une conférence débat sur promotion droit moun. Jerry Registre, qui est président Institissa, encourage l'organisation droit moun yo, société civile, acteurs concernés dans l'État pour impliquer au plus toujours dans le respect droit moun en Haïti. Centre Mise Haïti gagne pour objectif faire promotion pour la démocratie, renforcer les clubs littéraires et scolaires et lutter contre le changement climatique. Dans cette activité, plusieurs personnalités recevront certificat pour contribution yo n'en fait promotion droit moun en suivre. Projet ça a vini nous courant comment situation violation droit moun et dans pays a accru côté que jodi liberté pour nous parler jodi démocratie pour nous vle di en pile bagay dans trois dimensions yo soit dans dimension politique, dimension sociale et économique. Nous-mêmes, au Centre Muse Haïti, qui a une mission, c'est faire promotion pour respect droit moun et pour faire promotion tout pour démocratie en Haïti. Nous sommes rentrés dans quatre batailles nous, et plaidoyer ça, vini dans un bon moment côté que pour nous expliquer, chercher comprendre qui ça qui suscite mobile, qui fait jeune, qui a quitté le pays, hein, bah la parole, et comment ils sont capables. Yo prêt pour yo assumer responsabilité et participer dans le développement pays. Donc nous t'ai essayé rencontrer yo dans contexte yo dans pays yon, soit dans sud, dans l'ouest qui sorti Grand Ravine, qui sorti dans Cité Soleil, et jeunes nous rencontrer yo, ce sont des jeunes qui sorti dans catégorie que nous devons prendre en considération pile fois yo exclu dans ça qu'a fait dans pays yon. Là par exemple jeunes qui en situation de handicap, il y a des messages jeunes qui dans la rue, ça nous qui te travaille du sexe et ça couramment nous les femmes de trottoir yo jeunes ça yo, et une jeune nous t'ai rencontré ces jeunes qui ont 14 à 24 ans et qui bail message qui valable. C'est nous pas les prétentions, c'est un sondage national, donc échantillonnage travail là Dichita sous catégorie, sous varier ça que nous rencontrons tant que jeunes qui sont en prison, nous allons rencontrer Timon qui est en prison pour nous prendre la parole, nous allons rencontrer jeunes qui vivent en dehors à la campagne, donc qui ont la parole, nous rencontrer jeunes qui sont de Cité Soleil, qui sont de Matissa, parce que eux même ils ont une question de conception de la démocratie, ils comprennent et façon à vivre différemment de nous-mêmes qui sont qui dans la ville Port-au-Prince, et nous rencontrer jeunes qui continuent à l'école, qui pas à l'école, nous continuons nous rencontrer, yo bay parole yo. L'organisation Stop Accident, 17 semaine 28 juin pour arriver 4 juillet 2021, les recensés 36 cas accidents, parmi eux, deux petits avions qui t'apprennent à prendre direction dans le sud du pays. Bilan ça a révélé qu'il y a 99 personnes qui sont victimes, là, 17 personnes mourir sous place, 82 autres blessés. Zone qui a enregistré plus d'accidents, c'est Delma 19, Boudon, Canapé Vert, Clessine, Léogane, Tigouave, Saint-Louis du Sud, et Cap-Haïtien. Directrice exécutive Stop Accident, Dr. Cassandra Jean-François, a attiré l'attention autorités sur la nécessité pour gagner plus de contrôle sur route nationale, voie maritime et voie aérienne.
Le cas bilan sur accident de la voie publique que réseau Stop Accident communiqué chaque semaine yo. Généralement, nous souvent prend en compte accident de la voie terrestre yo. Ça veut dire accident qui fait sur route yo. Toutefois, accident de la voie publique tout implique accident qui fait dans voie maritime yo avec voie aérienne yo. Et c'est comme ça pour semaine qui allait du 28 juin au 4 juillet 2021. Nous recensons au total 36 accidents graves qui fait côté que il y a deux noyaux qui impliquaient deux avions. Accident ça y a fait, il y a au total 99 victimes qui repartit en 82 cas de blessés et il y a 17 monde qui perdu la vie suite à accident ça y a. Pour accident qui fait qui était impliqué avion yo, pour deux accidents ça y a, comme élément de cause, irresponsabilité autorité étatique yo retournait à chaque fois. Nous avons remarqué dans le premier accident, infrastructure routière yo pas appropriée. Généralement, yon piste d'atterrissage pour ça les avions et léger yo. Ça veut dire c'est un avion qui fait transport qui est assez long envers en fait qui est assez court et qui porte très peu de monde. Nous avions ça yo dans ça qui fait Port-au-Prince au Cap. Port-au-Prince, Jacmel, Okaï et La Trier. Nous besoin d'une piste qui entre 600 à 1000 mètres de long et entre 25 à 45 mètres de large. Mais ce qui est plus important, c'est que piste soit balisée, piste soit sécurisée pour empêcher que tout élément d'environnement extérieur là, qui n'est même pas directement impliqué dans l'atterrissage avion, c'est là qu'elle ne pas entrer en collision avec elle. Et c'est une raison qui fait comme fait insolite, vous allez rendre compte que bon accident qui fait, qui implique un avion quand même avec une motocyclette. Et dans le deuxième accident, côté que son petit avion qui t'appelle Jacques Mel, qui crachait dans la zone Léogane, qui d'ailleurs fait 6 cas en mort. Mais pour l'accident, si la première enquête, yon t'a révélé que, alors, pilote avion, ça yon pas même de autorité, en fait, et quand on te dit ça, yon pas même de autorisation légale alors pour yon piloter avion. Qui donc, est vraiment nécessaire pour nous continuer à faire plaidoirie ça yon, pour nous continuer à tirer sur net d'alarme, pour l'État non seulement prendre responsabilité, mais pour rendre compte que les droits faits de sécurité routière sont prioritaires, parce qu'ils sont vraiment nécessaires pour que tout petit pays soit capable de fonctionner sur route et dans n'importe quel type de voie aérienne quand même, et en plus en sécurité. Il y a une façon pour éviter qu'il y ait plus de monde qui mourit et une façon tout pour préserver l'économie nationale, non, parce que nous connaissons directement ça a un impact sur la vie monde, sur le rendement monde et donc sur l'économie pays. Zone qui plus frappé et tout c'est Canapé Vert, Jérémy, Delma 19, Petit Goave, Bassin Bleu, Lagonave, Haut du Cap, Claircine, Bourdon, Léogane, Saint-Louis-du-Sud et La Trier. Nous souhaitons une bonne semaine à tout le monde. On continue à cultiver courtoisie sur route. On nous yon protéger l'autre. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, Cap, attendez des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable jouer nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.